restaurant ici? Oui, bien sûr. Le cadre te plaît? C'est vraiment chic. Merci. Merci. Merci, César. Vas-y, mange. Mon cher cuisinier, c'est un cordon bleu. Ouais. Ah oui. Je te dirais une excursion. Une excursion? Où? Je t'amène visiter les falaises féeriques de Fabidougou. C'est pas tout. On ira aussi aux cascades de Banfora. Et on va visiter les pics de Saint-Loup. Wow. Tout est prêt. Je te promets une escapade paradisiaque. Tu n'oublieras jamais ça de ta vie. Waouh, c'est merveilleux. Et quand partons-nous? Après-demain, ça te dit? Oh. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me demandais si mon DG allait m'accorder mon autorisation d'absence. Ton DG, s'il te plaît, finis ton plan. Il va se refroidir. Bonjour madame la DG, heureux de vous retrouver. Merci monsieur le directeur, moi aussi. S'il vous plaît monsieur le directeur, appelez-moi madame Kabouret, c'est plus simple ainsi. Vous êtes certaine? Absolument monsieur le directeur. Ok. À propos, votre maladie, ça va mieux? Quelle maladie? Ah, le congé maladie, ça va beaucoup mieux monsieur le directeur. Merci beaucoup monsieur. Ok, merci. Écoute, pas poser ton vélo là-bas comme ça. Écoute, tu n'as pas besoin de crier sur moi comme ça. Tu sais pas que le patron peut sortir d'un moment à l'autre. Ok, c'est bon, je vais prendre. Ah, toi aussi, c'est un service. Monsieur le directeur, un café. Ah bon? Attention, ah. C'est chaud. Merci, madame. Oui, quelque chose d'autre? En fait, je voulais savoir si je pouvais faire quelque chose pour vous. Vous n'avez pas de courrier à saisir? Si, mais je ne savais pas que cela allait vous faire plaisir. Eh bien, si. Je suis payée pour ça. Là. Donnez-les donc. Ah bon? Ok. Merci, monsieur. Mademoiselle Fofana. Oui, je... Quel est le motif de votre absence de 48 heures? C'est personnel. Ah non, 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 non. Il n'est pas question que vous laissiez Madame Pouya seule au bureau. En fait, déjà, je voulais... S'il vous plaît. N'assassinez pas votre mère ou votre oncle, car je ne porterai pas leur deuil. C'est clair? La question est close. Mais, s'il vous plaît, DG. Je vous en prie. Ouais, et à l'université? Aïe, comme tu connais notre université là, c'est la même galère là, ce moment. Le pays là, est dur, de... Aïe, mais laisse ça. Ouais. Je suis venu te voir. Je suis venu pour voir si tu pouvais me dépanner un peu. En vrai, c'est l'argent qu'il faut laisser tomber. Parce que là où moi je suis là, je n'ai même plus un rond dans ma poche. Je t'assure. Non, c'est pas pour ça. En fait, je suis une toi. Oui. Hein? En fait, je dois soutenir mon mémoire de fin de cycle. Quoi. Oui. Et je suis venu pour voir si tu pouvais trouver moyen de photocopier mon document là dans ton service là. Hein? Tiens. Avant c'était facile. Mais maintenant c'est trop compliqué. Parce qu'on a un DG façon façon. Si je m'amuse qu'il me prend, voilà, il suffit. Cousin, cousin, tu bavardes trop. Si tu veux m'aider, il faut m'aider. Ah, c'est comme ça. C'est pas pour les étudiants qui crient tous les jours que les gens gèrent mal les biens de l'État comme c'était pour leur papa. Hein? Fallait commencer par là. Je viens quand? Je te ferai ici. Ok, merci cousin. Ouais. Mamie, ce patron est un tyran, un dictateur, un sans-cœur. Allô? Ce n'est pas la boulangerie Sikouf Souri. Non, ce n'est pas une boulangerie ici. Et toi, tu es tyrannique avec les gens au téléphone. Mamie, ce n'est pas de l'amusement. Figure-toi qu'il ne veut pas que je voyage. Il ne connaît pas encore Fleur.
ma fille. Calme. Allô? Ibrahim, le ministre est ton ami, non? Mon paysan de déjeuner ne veut pas me donner de permission. Très bien. On se voit à midi au resto. Ma fille, calme-toi. Dites, les filles, ils sont allés faire un shopping. Non, non, je dois terminer ce document pour mon directeur. Et le soir, on peut très bien le faire à la descente. Désolée, je prends des cours d'histoire. J'ai décidé de reprendre mes études. Tu as dit quoi? Des cours du soir. Pourquoi faire? Vraiment, toi, Alima, je ne te comprends plus là. Tu es mari DG qui t'achète tous les diplômes nécessaires. Tu es là, tu vas te blanchir les cheveux pour bosser. Vous n'avez rien compris. La voie la plus facile ne mène pas toujours à la réussite. Alima, tu as changé de... Seuls les imbéciles restent sur place. Hé, hey, toi là, c'est qui tes imbéciles? Oh. C'est qui tes imbéciles là? On n'est pas venu ici pour se faire de la sorte, Alima. Oh, Zenabou. Jeannette. Écoute, c'est pas ce que je voulais dire. Jeannette, c'est bon, passe devant. C'est bon, merci. Les filles, toi, tu vas bosser. Jeannette, devant, passe. Attendez, c'est pas ce que je voulais dire. Hey, faut bosser là-bas. Bosse. C'est bon. Okay. C'est pas toi. Wow. Ouais, déjà. Monsieur Corbeau. Ouais. Oh, c'est beau. Voilà, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah bon? Oui. Joyeux anniversaire. Merci déjà. Je suis venu vous voir par rapport à une situation que je ne supporte plus. Ah bon? Oui. Il y a un agent qui a pris le malin plaisir de caresser votre véhicule chaque jour. Oh. Ça, c'est un problème, ça. Hein? Tant qu'il ne cherche pas à caresser mon fauteuil. Mais qui sait si c'est pas du work qu'il est en train de faire. À force de caresser votre véhicule là, il peut prendre du plaisir à vouloir caresser votre fauteuil. D'accord, c'est possible. Mais sur le plan de l'administration, je ne peux rien contre lui. Car il n'a pas commis de faute. Ouais. Hein? Donnez-moi plutôt une information allant dans ce sens. Oui, bon, par rapport à ça, il y a TTC. Oui. TTC aussi qui a pris l'habitude de venir après 9h pour repartir aussitôt après. Ça, c'est une information intéressante que je vais tirer au clair. Ah. Voilà. Ouais. Bon. Et qu'y a-t-il encore? Je pense que c'est tout pour le moment. Non, madame. Madame a rejoint son foyer. Oui. Ah, Dieu merci. Sans que je n'aie recours au pébré ni au bolé. Sinon, j'allais agir sans demander votre merci autorisation. Ah, il est déjà là. Bon appétit à vous tous. Ah, bon appétit, ma. Merci. Hé, toi, tu vas où? Si vous partez toutes les deux là, moi aussi je m'en vais. Pas question. Il faut que tu finisses le travail du DG. Que le Seigneur vous accompagne dans le repas. Bon, merci pour la journée, DG. Voilà. Ça va? Merci. Bon appétit. Merci. Merci. Alors, comment s'est passée ta journée? Ouf, c'est pas facile d'être correct, hein? Et... Qu'est-ce qui s'est passé? Mon chef a passé toute la journée à me regarder comme si j'étais un extraterrestre. Et il a raison. Il ne croit pas à ton changement. Et mes copines? Elles ont mal pris le fait que je veux poursuivre mes études au lieu de prendre des raccourcis. Mais qu'elles le prennent mal, c'est leur problème. Hein? L'essentiel est que ta famille trouve que ce que tu fais est bien. Et moi... Tu me rends fier de toi chaque jour un peu plus. C'est comme ça que je voyais ma femme. Allez, viens que je te fasse un câlin. Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous tenir compagnie? Vous êtes très ravissante.
Gardez vos compliments pour une autre jeune fille plus crédule que moi. Moi, je suis vaccinée contre ça. Non, mais c'est juste pour briser la solitude. Et je pense que l'efficacité de votre séduction cessera d'un moment à l'autre. Je prends votre numéro, peut-être qu'on puisse se voir après. L'arbitre qui va siffler sa fin est juste derrière vous. Pour habiter quel match, comment ça? Qui est ce monsieur? Juste un emmerdeur. Quoi? Il a osé te donner un rendez-vous? Au nom de Dieu, moi, j'ai jamais donné rendez-vous. Attends, tu veux dire que ma copine elle ment? J'ai pas dit ça aussi. Alors, tu l'as donné rendez-vous? Non. Parfait. Dao! Oui, c'est Paul! Venez si vite là! Mon type, attends, c'est pourquoi? Tu vas voir. Non, hé! Hey, chopez-le! Oh! Mais attendez! Dans mon restaurant! Hé, bonne nuit! Amenez-le-moi! Hé, Lago, dis-tu là? Oh! C'est quoi? Ah bon? C'est ça? Quoi, voilà une information capitale qui va beaucoup plaire au DG. S'il te plaît, c'est juste pour soutenir un cousin qui a des difficultés, quoi. Moi, je m'en fous de ces difficultés. On a dit de bien gérer les biens de l'État, de ne pas les utiliser à des fins personnelles. Oui. Je vais dire au DG. Tu sais, demain, ça peut être ton tour. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. Je vais dire au DG. Ouais, j'ai compris. C'est pas la peine de me répéter ça comme un perroquet, là. Et tu m'insultes? Tu veux combien? Tu sais, des informations comme ça, ça coûte cher. Oui, dis-moi, tu veux combien? 10 000. Il y a un Ghana là. Si tu veux là, va dire au DG. De dire? Oui, oui. De dire? Dis. C'est foutu pour toi. Bon, 5 000. Bon, d'accord. C'est top. Désormais, tu vas laisser les femmes des gens tranquilles. Disparais! Ça ne va pas! Hey, allez-y travailler là, on s'est assez amusé. Chérie. Ouais. Et à propos de mon autorisation là? T'inquiète mon cœur. Le ministre est là-dessus. Ouais. Tu viens? Oui. Hey, Lambo. Oui? Voilà. C'est fait. Ah! Ouais, ça c'est très bien. Ouais. Et je suis avec mon associé. Qui est ton associé? GSK. Nathalie, je t'avais pourtant dit d'être discret. Tu m'amènes le journaliste là, des gaffes. Écoute, Rambo, méfie-toi de moi. Si tu ne sais pas là, lui, il sait que dans l'ordre administratif, je suis son supérieur hiérarchique. Supérieur hiérarchique, et puis tu deals des photocopies avec lui. C'est le business. Bon, hé, la fille la donne combien? Quelle fille c'est? Faut pas t'amuser avec les gens. Hein. Tu m'as dit que c'est pour la fille d'un grand quelqu'un. C'est vrai. Alors voilà qui. Quoi? C'est lui là? Oui. Là, il est là. GSK, il nous a eu. Hein. Bonjour. Ouais, mon cousin. Ça va? Bonjour. Ouais, ça va. Enfant? Bien, ça va, tu vas eu. Ah, vraiment. Bonjour. Ça signifie quoi? Et toi, là, enlève ton pied du mur là. C'est quoi? Papa, ici, c'est pas à l'université. Oui. Monsieur le ministre, nous avons présentement une pile de rapports à envoyer. Ouais, c'est bien. Mais le congé est un droit inaliénable reconnu à chaque agent, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur le ministre. Mais il est aussi dit que cela se donne ou se reporte en fonction des nécessités de service. Monsieur Kabore Pousbila, en tant que ministre, je vous ordonne de donner un congé à votre secrétaire. Vous le faites et vous m'en rendez compte. C'est vous le ministre. Je suis à votre service. C'est la cousine directe d'un ami personnel. Ils doivent se rendre au village pour des cérémonies traditionnelles. Ce sera fait comme vous l'entendez, monsieur le ministre. Au revoir, monsieur le ministre. Oui, allô. Mademoiselle Fofana, faites-vous une autorisation d'absence? Bien, DG. Merci beaucoup, DG. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te rend aussi joyeuse? Le paysan là sait maintenant que je ne suis pas n'importe qui. Comment ça? Mon autorisation d'absence, il ne voulait pas signer, non? Eh bien, des hauts de en haut lui ont téléphoné et hop, exécution. Pourtant, DG avait raison. On a beaucoup de rapports à donner actuellement. Mamie, ce n'est pas moi qui ai inventé la fonction publique. Si je meurs là, l'administration va s'arrêter.
Donc tu n'as pas pitié de moi. Tu vas me laisser seule. Tu payes ou tu ne payes pas? Payer quoi? Payer quoi? Paye rien. Il paye. Pas non. Voilà, c'est au cinéma tu as vu ça. Hein? En tout cas, tu as raison. Voilà. Dieu va te payer ça au centre. Dieu va te payer toi aussi. Vous allez laisser là. Il faut les laisser où? Si vous faites là, je vais réunir mes camarades là. Oui. Et avec des pancartes là, on va marcher sur la DGAF ici. On va dénoncer l'utilisation abusive des biens de l'État là. Oui. Ouais. Et c'est vous qui en profitez. Okay. Dis, on fait comment? On nous a eu, hein? Ah, attends. Enlève-moi dans ton on là. On t'a eu. Écoute, cousin, tu as raison. Moi-même, je vais témoigner. Mais attends, cousin, tu le connais? Hein? Tu n'es plus de mon côté? Je n'ai jamais été de ton côté. Si ce n'est pas parce que tu es bête là, il y a quoi à dealer avec un étudiant? C'est Rambo. Cousin, bonne journée. Vous permettez, non? Oui. Cousin, allez, bonne journée. Merci beaucoup. Non, de rien. Merci. Merci. Toi là, ça n'a pas faux. Ça n'a pas faux. Toi, tu es bête. Hein. Regarde, va casser l'autre pied là. Et maintenant, tu vas avoir les toi, deux. Toi, tu as la chance que moi, j'ai pas le pied ici. Sinon, je... Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je cherche mademoiselle Fofana. Oui, c'est moi. C'est pourquoi? Officier de police, Kafando Yembi. J'ai une convocation pour vous. Pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous le saurez au commissariat. Au revoir, madame. Merci. Votre ami Ibrahim a fait une bêtise. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a molesté un homme à son restaurant et il a été conduit au commissariat. Oh, mais c'est pas grave ça, il va s'en sortir. Ah, c'est plus compliqué que ça. Le monsieur est un homme détenu et ses compagnons menacent de sortir si on ne le punit pas. Alors là, il est foutu. Oh, mais dans tous les cas, c'est très bien fait pour lui. Ah, il y a pire. Il a cité votre nom dans l'affaire à cause de cette secrétaire à qui vous auriez accordé un congé. La secrétaire de la DGAF là? Ben oui, elle est impliquée. Non, c'est pas. Allô? Pousbila? Écoutez, annulez-moi cette histoire d'autorisation d'absence ou de congé là. Oui, oui. Je ne veux pas m'emmêler de vos affaires. Oui, elle ira en congé quand ça sera possible. D'accord? Bien, vous m'informez après. Au revoir. Monsieur l'homme, merci bien pour l'information. De rien, monsieur le ministre. Je vous revaudrai ça. Merci. Oui, monsieur le ministre. Il y a un problème. J'ai déjà signé. Plus de congés annulés. Non, 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 je dis déchiré. Je ne veux pas qu'il y ait trace de ça. Voilà, c'est un ordre. Et vous me rendez compte. Hein? Bien reçu, monsieur le ministre. Voilà. Ibrahim, toi ici? Eh oui. Ah. Voilà celle par qui le scandale est arrivé. Moi? Je n'y suis pour rien. C'est lui et ses serveurs. Tu oses dire cela? Mon commissaire, oui? Je n'ai jamais demandé à ce qu'il soit molesté. En quoi suis-je responsable? Ah bon? C'est devenu comme ça? Il n'y a pas de problème. Monsieur Ibrahim, compte tenu de la gravité des faits et pour les besoins de l'enquête, nous sommes obligés de vous garder. Non. Amenez-le. Non. Je ne suis pas d'accord. Et ça ne se passera pas comme ça. Monsieur Lantiga. Oui, DG. Vous dites que les vigiles passent son temps à attraper les petites filles. Oui, oui, pendant les heures de service même. Vous dites aussi qu'il deal les rames de papier, c'est ça? Oui, et il escroque même les gens qui viennent ici. L'avez-vous déjà vu? De mes propres yeux. Bon. Avez-vous des preuves? Des photos, par exemple? Non, pas de photos. Des témoignages? Un rapport de la police? Aïe, c'est pas un jugement. Dans ce cas, c'est de la diffamation. Et moi, je n'entre pas dans vos histoires de calomnie. DG, la moto que vous avez retirée là, j'ai fait comment? J'ai du boulot. Parce que dans le magasin là, ça peut se gâter quoi. Je vais vous demander une lettre d'explication. En fait, DG, comme il y a des rats au magasin... Non, mais DG,